Gaza. Il ne suffit pas que les armes se taisent, c'est déjà beaucoup. Il faut aussi que chaque peuple puisse vivre dans la sécurité. רק אם יהיה מענה ברור לצרכים הביטחוניים שלנו, רק אז נסכים להגיע להבנות. نتمسك بالمبادرة العربية المصرية ولا غيرها. Nous rejoindre sur i24news, 16h avant la fin du cessez-le-feu. Le moins qu'on puisse dire au Caire, eh bien, c'est que tout semble revenir à la case départ. On va en reparler aujourd'hui avec nos invités. Avec moi sur ce plateau, Jacques Méry, ancien officier des renseignements militaires israéliens. Merci d'être avec nous. Ali Waked, spécialiste du monde arabe. Merci Ali de nous avoir rejoint ce matin. On parlera également du massacre des yazidis et des minorités chrétiennes en Irak. Mais avant toute chose, un point sur l'actu. Le glas du cessez-le-feu sonne donc bientôt avec des rumeurs de cessez-le-feu qui piétinent. Le ministère de la Défense israélien a ordonné la suspension des trains en direction de la ville de Sderot. La raison, la reprise des tirs depuis la bande de Gaza pourrait viser le réseau ferré israélien avec des missiles anti-tanks. Côté Hamas, on remet déjà la faute sur Netanyahou. C'est Israël qui a refusé l'offre égyptienne. Le cessez-le-feu ne sera pas renouvelé. Mahmoud Abbas est attendu vendredi au Caire pour tenter de sauver le processus de négociation. Nouvelle nuit de couvre-feu à Ferguson après la mort de Michael Brown, 18 ans le 9 août dernier. Les événements de Ferguson, une ville à majorité noire dont la police et ses dirigeants sont blancs pour la plupart, ravivent depuis une semaine le spectre du racisme aux États-Unis. Et puis en Irak, les États-Unis poursuivent leur frappe près du barrage de Mossoul, des actions qui visent à soutenir les efforts humanitaires, à protéger les infrastructures, le personnel et les installations des États-Unis en Irak, ainsi qu'à venir en aide aux forces de sécurité irakiennes et aux forces de défense kurdes. Quelle diplomatie en ce moment même au Caire? On fait le point en images, on en reparle juste après avec nos invités. Israël ne se contentera pas d'une réponse vague à ses exigences. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à l'ouverture du Conseil des ministres ce dimanche matin. Le chef du gouvernement a fait référence à l'échec du Hamas. Si le Hamas imagine compenser sa défaite militaire par des gains diplomatiques, il se trompe. Si le Hamas imagine qu'il nous forcera à faire des concessions en poursuivant ses tirs, il se trompe. Tant que le calme n'est pas rétabli, le Hamas continuera de subir de sévères attaques. Si le Hamas imagine que nous ne pouvons pas supporter cette situation pendant longtemps, il se trompe. Alors que Jérusalem revendique d'avoir considérablement réduit les capacités de nuisance du Hamas, l'organisation, elle, se targue d'avoir résisté militairement à Tsahal. Selon le porte-parole du mouvement palestinien, les déclarations de Netanyahou sont uniquement à but médiatique. Au Caire, les pourparlers indirects se poursuivent. Il reste aux délégations israéliennes et palestiniennes moins de 48 heures pour transformer le cessez-le-feu de 5 jours en une trêve durable dans les combats. Mais ce n'est pas gagné. Les principaux points de blocage demeurent. Israël exige la démilitarisation de l'enclave palestinienne et le Hamas réclame la levée du blocus imposé depuis 2006 sur la bande de Gaza. Selon le mouvement palestinien, c'est le seul moyen pour Israël d'obtenir la sécurité. En cas d'échec des négociations par l'entremise de l'Égypte, la pression de la communauté internationale devrait s'intensifier. L'Occident pourrait se tourner vers l'ONU et demander une résolution pour mettre fin au conflit. Par ailleurs, l'idée d'une cessation de fait des combats sans accord de cessez-le-feu est dans l'air depuis quelque temps en Israël. Vous l'aurez donc compris, les informations sont fragmentaires, elles sont parfois contradictoires et en tout cas difficilement vérifiables. À Lille, on en est où de ces négociations, retour à la case départ? On est bien sûr face à trois scénarios. Soit on arrive ce soir à un accord mutuel sur un cessez-le-feu, soit on glisse sur un cessez-le-feu sans qu'un accord de cessez-le-feu soit signé, soit une explosion et donc la reprise des tirs de roquettes de la part de Hamas. Moi, j'envisage un quatrième scénario, c'est que
les pourparlers au Caire n'aboutissent pas à un accord, mais le Hamas ne reprend pas les tirs de roquettes. Donc, c'est-à-dire une espèce de statu quo sans solution véritable. Espèce de statu quo qui veut, de la part de Hamas, donner un message aux Égyptiens. On est pragmatique, ça vaut le coup de discuter avec nous, mais il faut prendre en compte nos demandes. Ce qui se passe au Caire, Nathalie, c'est une bataille non pas entre Israël et la délégation palestinienne, c'est entre la délégation israélienne et la partie Hamas de la délégation palestinienne. Il y a une bataille sur la volonté de chacune de ces deux délégations qu'une réussite, qu'un succès ne soit pas, un acquis ne soit pas marqué pour l'autre. Le Hamas ne veut pas que cette bataille soit décryptée en vain de la part de l'opinion publique palestinienne qui voit plus de 2000 personnes tuées, des milliers de maisons démolies, sans qu'un changement dans la vie quotidienne des Gazaouis prend place à la bande de Gaza. C'est pour cela que le Hamas insiste à ce que dans le cadre de cet accord soit mentionné le fait qu'il y aura une levée du blocus, une levée par étape ou une levée immédiate, mais au moins le mot blocus soit signalé dans l'accord. Et c'est exactement ce que la délégation israélienne ne veut pas. La délégation israélienne veut pour le moment que l'équation qui va clôturer les négociations de ce soir sera basée sur le calme pour le calme. Et puis dans quelques semaines, on pourra discuter la levée du blocus. Et n'empêche que les Israéliens ont commencé déjà à prendre quelques mesures pour essayer d'apaiser le blocus sur la bande de Gaza. Mm-hmm. Jacques, ces mots de Benjamin Netanyahou, ces déclarations, elles sont censées apaiser les rumeurs ou en tout cas les colères de ces derniers jours à ceux qui l'accusent d'être trop réactif et non pas assez proactif. Peut-être trop mou aussi. C'est, je dirais, sa droite, la droite au gouvernement est très mordante. Donc ça, la critique est de plus en plus difficile pour lui. Mm-hmm. Et naturellement, des positions beaucoup plus militantes telles qu'il telles que celles qu'il a adoptées dernièrement, sont tout simplement une réponse à cela. Et surtout, je dirais, un signal pour le Hamas qu'Israël est prêt à reprendre les armes et avec plus de vigueur pour essayer d'avoir un vrai acquis cette fois-ci sur le terrain. Donc c'est tout simplement comme je dirais une certaine menace envers le Hamas. Si vous reprenez les armes, attendez-vous au pire de notre côté. Mm-hmm. Mais pour l'instant, à mon avis, comme Annie vient de le dire, je pense que les choses vont aboutir à un cessez-le-feu de facto, parce que les deux parties finalement comprennent qu'il n'y a aucun intérêt à continuer la guerre par ces mêmes moyens-là. Ce qui veut dire que donc on va revenir à la célèbre phrase plus ça change, plus c'est la même chose. Donc on va revenir en arrière et puis avec un certain apaisement de la situation. Et puis, si jamais les choses durent comme ça, on verra bien si jamais la dissuasion israélienne est revenue. C'est la seule qui devrait, en fait, retenir Hamas de tirer sur Israël. Mm-hmm. Alors, on va voir ce qu'en dit la presse israélienne. On reparle de tout ces thèmes d'ici quelques instants. Nicolas Rosenbaum, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et moins qu'on puisse dire ce matin, c'est que l'humeur des journaux est en berne concernant ces négociations au Caire. Oui, pour les quotidiens, le compte à rebours a bel et bien commencé. Alors, Nathalie, il faut bien le dire, les éditorialistes et les autres commentateurs. Très bien, on se prépare en Israël. Si le Hamas reprend les tirs de roquettes, eh bien Israël réagira vigoureusement. Et pour bien faire passer ce message, à côté de ce titre, une photo de blindés israéliens en attente le long de la frontière avec Gaza. Et pour Mariv, une alternative, arrangement ou escalade, avec un face-à-face, Bibi Netanyahou et Khaled Mashal. Israël et le Hamas durcissent leur position avant la fin de la trêve. Deux citations à la une du journal. Le premier ministre israélien met en garde. Nous ne permettrons pas au Hamas de transformer Hamas. Nicolas Rosenbaum, on va revenir vers vous dans quelques instants, puisque la liaison se fait mauvaise entre vous et nous. Une question, Ali, justement, ce dont vient de parler Nicolas, ces déclarations de Benjamin Netanyahou, c'est juste pour la presse?
À mon avis, c'est juste pour la presse. De la même, les déclarations pareilles de la part des dirigeants du Hamas qui menacent de reprendre les tirs de roquettes. Donc, il faut comprendre, pour le Hamas, les comptes sont un peu plus compliqués. D'un côté, ils veulent que l'expression de levée de blocus soit mentionnée dans l'accord éventuel. De l'autre côté, ils veulent faire partie de l'arrangement sécuritaire, surtout de l'arrangement administratif et politique, suite à cette levée du blocus. Ils ne veulent pas que tout le crédit sur la levée du blocus et les arrangements et le retour à au calme et à la vie normale et à la reconstruction de la bande de Gaza, tout le crédit part pour l'autorité palestinienne et pour le président palestinien Mahmoud Abbas. Donc si le Hamas doit faire les calculs partisans, il va être contre un accord éventuel. Mais s'il voit ce que le président palestinien propose, c'est d'adopter le brouillon égyptien, d'adopter la proposition égyptienne, donc il y a une chance meilleure pour aboutir ce soir à un cessez-le-feu. Le problème, c'est qu'il y a une division, non pas seulement au sein de la délégation palestinienne, mais au sein de la au sein du Hamas même. Je peux dire même qu'en Égypte, selon ce que j'ai appris par mes sources, il y a trois groupes. Il y a Israël et le Hamas d'un côté qui refusent le brouillon égyptien tel qu'il est. Il y a l'autorité palestinienne et l'Égypte qui poussent pour l'adoption complète de ce brouillon. L'autorité palestinienne accuse la délégation israélienne que pour la pression interne que subit M. Netanyahou de la part de Bennett et Lieberman, il a durci sa position et la délégation israélienne semble ne pas avoir le mandat de conclure un accord ce soir. Mm-hmm. Allez, une question également, hein, celle de cette personnalité, cet homme providentiel, en tout cas il apparaît en tant que tel dans ce qu'on voit ces derniers jours, Mahmoud Abbas. Il va arriver vendredi au Caire et tout semble se geler avant son arrivée de vendredi. Est-ce que c'est perçu aussi comme ça sur place ? Moins, mais sans doute toute cette campagne, tous ces 10 jours de négociations au Caire ont pour but de préparer le retour de Mahmoud Abbas à la bande de Gaza et non pas au Caire, de préparer le retour de l'autorité palestinienne à la bande de Gaza, de préparer la prise de manche par l'autorité palestinienne en première étape de la responsabilité sur les frontières avec l'Égypte et avec Israël comme une préparation pour la prise de contrôle de l'autorité palestinienne de la bande de Gaza. Il ne faut pas oublier que le Hamas, au cours de ces négociations, a demandé de la délégation palestinienne de prendre en compte les intérêts du Hamas dans la prochaine étape de la vie de la bande de Gaza, l'arrangement sécuritaire, la partition des portefeuilles au sein de l'administration palestinienne à la bande de Gaza, etc. Et surtout l'intégration des forces de sécurité du Hamas dans les forces de sécurité officielles de l'autorité palestinienne. Moi, je ne sais pas quelle va être la position du gouvernement israélien de voir 5 ou voire 10, 12 000 d'hommes de sécurité du Hamas intégrés dans les forces sécuritaires officielles de l'autorité palestinienne. Donc c'est ça qui va faire Mahmoud Abbas vendredi au Caire, négocier sa position en réalité. Ah, tout à fait. Mm-hmm. Jacques Neria, il a les épaules, Mahmoud Abbas, pour ce nouveau rôle, ce nouveau costume qu'on veut. Ça me rappelle à l'époque quand on négociait Oslo, donc en 80, je vous ramène en 93, donc nous étions là bloqués sur beaucoup de sujets, et c'était finalement l'apparition de Mahmoud Abbas au Caire qui était arrivé, là, et puis c'est un homme très pragmatique qui sait joindre le deux bouts. Et à mon avis, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est tout simplement se positionner comme le principal, je dirais, le principal partenaire d'Israël et de l'Égypte. Le fait qu'il ait répété qu'il n'y a d'autre solution que la solution, que la proposition égyptienne, tout simplement souligne le fait qu'il est là pour prendre, je dirais, la responsabilité et pour signifier au Hamas, ne faites rien, c'est moi qui vais régler, je dirais, les problèmes avec Israël. Donc de ce point de vue-là, il se présente comme un partenaire, bien que encore la droite israélienne ne le voit pas tellement en tant que tel, mais là, je dirais c'est le seul échappatoire pour une solution, je dirais, honorable pour les trois parties. Mais très concrètement, comment ça va s'organiser? Alors très concrètement, il vient de signifier au Hamas et à Israël, écoutez, ne faites rien, j'arrive vendredi. Donc jusqu'à là, vous pouvez quitter le Caire, il n'y a pas de problème, mais simplement ne reprenez pas, je dirais, les tirs, ne recommencez pas, je dirais, tout ce bataclan
maintenant de A à Z parce que je suis là et je suis l'adulte responsable. Attendez-moi le vendredi, on va discuter. Mm-hmm. Donc, et de ce point de vue-là, ce que je pense, c'est qu'effectivement, ce soir, à minuit, il n'y aura rien. Donc, on n'arrivera pas à un accord parce que c'est un accord de longue durée. Ce que Ali vient de dire, ce n'est pas un accord qui peut être terminé en 3 heures ou en 24 heures. C'est un accord qu'il faut négocier pendant pas mal de temps. Et l'intégration des forces du Hamas, possiblement. Chaque point, chaque mot également. Tout à fait. C'est une longue négociation et de longue haleine aussi. Donc, ce qui fait qu'il faudra un cessez-le-feu plus prolongé. Et pour l'instant, j'ai l'impression que, comme je l'ai dit avant, que les deux parties sont intéressées par ce cessez-le-feu. Israël veut quand même rétablir une certaine sérénité, je dirais, dans ces villages frontaliers. Hamas veut signifier à la population de Gaza que nous sommes victorieux, mm-hmm. la preuve qu'Israël n'a pas repris le feu. Ce que vise la délégation palestinienne et notamment le président Abbas, c'est de faire glisser cette entente sur la bande de Gaza sur un début des négociations qui vise toute la question palestinienne, tout le conflit israélo-palestinien et non pas le problème tactique de la bande de Gaza. Mahmoud Abbas espère que l'arrangement, les ententes sur la bande de Gaza déboucheront sur des négociations entre Israël et l'autorité palestinienne sous tutelle internationale sur la question palestinienne, sur la Cisjordanie. C'est vers quoi on n'a pas réussi à attendre au mois d'avril dernier. Je voudrais, Ali et Jacques, retrouver Nicolas Rosenbaum. Manifestement, la connexion a été rétablie. Nicolas, vous nous parliez du traitement de Maariv quant à ces négociations en cours au Caire. Oui, dans Maariv, on parle d'une alternative, l'arrangement ou l'escalade avec un face-à-face Bibi Netanyahou et Khaled Mashal. Israël et le Hamas durcissent leur position avant la fin de la trêve. Et deux citations que l'on retrouve à la une de ce journal, le premier ministre israélien qui met en garde « Nous ne permettrons pas au Hamas de transformer une défaite militaire en acquis politique ». Puis aussi cette menace du Hamas, « Les Israéliens ne rentreront chez eux que lorsque nous le permettrons ». Mais aussi en toute petite lettre, la une de Marie, toujours, ce qui pourrait être bien trois orifices de tunnels offensifs palestiniens découverts à la lisière de Gaza. Et à muscler d'Israël en cas de reprise des tirs de roquettes sur Israël. Élément intéressant que l'on trouve dans le journal, si le calme est respecté, eh bien Israël pourrait décider de manière unilatérale des allègements dans le blocus de la bande de Gaza. Eliot fait remarquer qu'en attendant, et par mesure de sécurité, le service ferroviaire entre les villes d'Ashkelon et Sderot a été suspendu pour raison de sécurité. Haaretz, lui, se penche sur les dissensions chez les Palestiniens. Selon le journal, Mahmoud Abbas, le président palestinien, Khaled Mashal, a accepté l'initiative égyptienne. Dans un premier temps, plus tard, la négociation d'un accord de sortie de crise est un entrefilet intéressant. Israël empêche l'entrée d'organisations humanitaires dans la bande de Gaza. Mmh. Autre sujet à la une de la presse israélienne ce matin, Nicolas. Oui, Nathalie, dans Yediot Aharonot, les victimes du terrorisme contre la bande du Hamas, avec une nouvelle phase de ce procès qui se déroule actuellement à New York, c'est la manchette du journal. Et une petite phrase du Premier ministre britannique face au danger de l'État islamique, l'Europe doit se réveiller, affirme le Premier ministre Cameron. Et puis à la une de tous les journaux ce matin, ce mariage pas comme s'est déroulé hier soir à Rishon LeZion sous haute surveillance, l'union d'un musulman. Mahmoud et Moral ont célébré leurs noces et à l'extérieur, des centaines de manifestants de gauche et de droite. Merci beaucoup, Nicolas Rosenbaum, d'avoir été avec nous ce matin pour cette revue de presse israélienne. Un mot peut-être, Ali, en réaction à ce mariage qui a failli mal tourner à Rishon LeZion et qui cristallise finalement les tensions en ce moment au sein de la société israélienne. Morad d'un côté, une juive convertie, et puis Mahmoud de l'autre, musulman. Bon, moi, je suis personnellement impliqué puisque je suis voisin de la famille Mansour. À mon avis, c'est un phénomène
qui n'est pas nouveau, il n'est pas nombré. Il y a quelques dizaines de couples durant l'année qui se marient, mais le fait que cette fois-ci une association d'extrême droite a décidé de faire une campagne a fait de sorte que tout le monde en a parlé, même le président Reuven Rivlin a traité ce sujet dans sa page sur le Facebook. À mon avis, les relations entre juifs et arabes va être la prochaine préoccupation sérieuse du gouvernement israélien une fois que les poussières de cette bataille de la bande de Gaza va être terminée. Il y a énormément de tensions. N'empêche, les relations entre juifs et arabes en général sont assez satisfaisantes. On peut faire beaucoup mieux, mais que des politiciens interviennent dans la vie privée des gens, ça c'est vraiment nouveau. Encore la politique en tout cas qui intervient dans la vie privée. On va revenir à cette opération justement et reparler de cet accord. Est-ce que les petites factions présentes, Jacques, alors, au sein de la bande de Gaza, pourraient tout mettre en péril? Alors tout ce qu'on a dit est vrai. Je dirais, est supposé être vrai, sauf qu'il y aurait certaines factions palestiniennes, je dirais des extrémistes, donc djihad islamique et autres, qui pourraient tout simplement dire, écoutez, nous ne faisons pas partie de cet accord-là, comme dans le passé, nous avons tiré indépendamment sur Israël, nous allons reprendre le tir, donc c'est notre raison d'être, de continuer la bataille, la résistance, entre guillemets, face à Israël, ce qui enchaînerait automatiquement une réponse israélienne, et on est reparti dans ce jeu-là. Donc, Hamas a prouvé pendant ces événements, cette dernière confrontation, qu'il était capable de maîtriser ces petites factions, de leur dire de ne pas tirer. N'empêche qu'on a vu de déjà... De leur dire de tirer, comme c'était le cas. Et au contraire, de tirer quand ils voulaient, tout simplement signifier à Israël que le tir allait reprendre. Donc, le jeu est là. Ces factions-là pourraient être, je dirais, la balance entre nous et le calme. On va parler à présent de la population. Hein. La population, elle est coincée là, à Gaza. Elle est coincée entre ces trois parties finalement du Hamas, les deux parties, les deux branches politiques et puis le bras militaire. Elle est coincée, la population à Gaza. Elle est coincée, mais à mon avis, elle va jouer un rôle très important ce soir et dans l'avenir. La population palestinienne à la bande de Gaza a fait savoir au Hamas qu'elle ne veut pas retourner à la tension, elle ne veut pas retourner à la violence. Le Hamas entend ce que veut la population palestinienne, mais de l'autre côté, la population palestinienne veut aussi la levée du blocus. Donc le Hamas, il est coincé entre ces deux volontés. Mais alors, qui a manifesté la semaine dernière dans Gaza City en faveur du Hamas? Le Hamas se contente encore de quelques dizaines, voire de centaines de milliers de gens qui soutiennent le Hamas. Et même ceux qui ne soutiennent pas le Hamas en tant que parti politique, c'est la totalité de la population à la bande de Gaza soutient la demande du Hamas que ces négociations au Caire doivent déboucher à une levée du blocus. Israël a commencé de prendre quelques mesures, voire par exemple l'élargissement de l'espace maritime que les pêcheurs palestiniens à la bande de Gaza peuvent désormais utiliser. Maintenant, la grande question, est-ce que le Hamas insistera à ce que ces négociations qui, selon Israël, l'OLP et l'Égypte visent en première place le calme et le retour au calme, ou est-ce que le Hamas va insister à ce que ces négociations doivent déboucher à un arrangement plus large qui prend en compte ces demandes de la levée du blocus? De la population aussi finalement, est-ce que le poids des mots, les exigences, les demandes de la population gazaoui, il a un poids par rapport à celui des armes du Hamas? Il a un poids, et j'ai dit, la population palestinienne a fait savoir que bien qu'elle soutienne la demande ultime de faire de sorte que la vie quotidienne des Palestiniens change à la bande de Gaza et que le blocus soit levé, pour la population palestinienne qui a attendu depuis 2007 peut attendre encore quelques semaines, voire un mois, comme les Égyptiens ou les Palestiniens, l'autorité palestinienne propose que on conclue tout d'abord l'équation du calme pour le calme et puis ensuite, dans quelques semaines, on commence des négociations qui vont déboucher à la levée du blocus. Mais quel blocus? Le blocus
israélien ou le blocus non, quand égyptien, on parle de blocus maritime. Le mot blocus devient un blocus territorial de la part. Quand on parle, le mot blocus est devenu désormais un code pour ne pas embarrasser les Palestiniens vis-à-vis de l'Égypte. Mm-hmm. On sait que en ce qui concerne les Palestiniens, le blocus est essentiellement égyptien. C'est vrai qu'il y a un blocus maritime israélien, mais ce blocus vise essentiellement les armes et la volonté de ne pas voir les armes arriver à la bande de Gaza. Le blocus, il est égyptien. Essentiellement, et l'ouverture de la frontière avec Rafah, entre Rafah de la bande de Gaza et l'Égypte, est la demande essentielle de la délégation palestinienne, voire du Hamas. L'Égypte refuse carrément de donner aucun acquis politique au Hamas, c'est exactement le cas de la délégation israélienne. Ils veulent que ces négociations se terminent avec un arrangement sécuritaire, et les arrangements politiques et administratives doivent être reportés à la fin. C'est une sémantique, ça peut être une question de style. Une sémantique, ça peut aller aussi plus loin dans les négociations. Jacques, est-ce qu'on peut imaginer que finalement l'accord ait lieu entre trois parties, Mahmoud Abbas d'un côté, Israël, enfin l'autorité palestinienne d'un côté, Israël de l'autre, et puis l'Égypte, et que finalement le Hamas soit un peu mis de côté? Quel est le choix? Est-ce que le Hamas a un autre choix? Il n'y a pas de choix pour l'instant. Le seul choix qu'il a, c'est d'accepter cette formule-là. Il essaie naturellement de grignoter, de voir dans quelle mesure il pourrait faire partie de la délégation palestinienne sous Mahmoud Abbas. Donc, dans quelle mesure il serait intégré dans les passages à Rafah ou dans le port ou l'aéroport éventuellement dans l'avenir. Mais pour l'instant, c'est ce que le Hamas comprend très bien qu'il a en face de lui, je dirais, un axe qui est formé par l'Égypte, Israël et l'autorité palestinienne, qui ne peut pas surmonter, ni tout simplement d'essayer de détruire. Il n'arrive pas à ça. Donc, dans ces conditions-là, il faut qu'il se suffise de ce qui est, de ce qui est possible. Ce qui est possible aujourd'hui, c'est d'être intégré au sein de l'autorité palestinienne, jouir, je dirais, des ailes protectrices de l'autorité palestinienne et profiter du fait qu'Israël est prête à discuter et à s'entendre avec l'autorité palestinienne via l'Égypte. Alors justement, Israël, Jacques, vous avez été conseiller de Yitzhak Rabin. Est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui à Benjamin Netanyahou de mettre de côté le Hamas? Écoutez, le partenaire d'Israël, c'est l'OLP, donc aujourd'hui transformée en autorité palestinienne depuis 1993. C'est cette organisation qui a sous elle des factions, plusieurs factions de plusieurs couleurs, des communistes, des droites, la gauche, des islamistes. Tout cela est intégré au sein de cette autorité palestinienne. Pour nous, c'est le seul partenaire. Nous ne pourrions pas discuter avec le Hamas. Nous ne devrions pas discuter avec le Hamas. C'est une organisation terroriste potentielle. Et si son aile politique a été intégrée au sein de l'autorité palestinienne, c'est une couleuvre qui est difficile à avaler. Mais en principe, avec un peu d'aspirine et un grand verre d'eau, on pourrait discuter. Tout à fait. Merci beaucoup, Jacques, d'avoir été avec nous. Merci à vous également, Ali. On va marquer une courte pause à suivre. Un nouveau journal de la rédaction. Et puis restez avec nous, puisqu'ensuite on parlera des États-Unis. Cette nouvelle nuit de couvre-feu à Ferguson après la mort de Michael Brown, 18 ans. Sur le plateau du Morning d'i24News, on va s'intéresser à présent à la façon dont les médias internationaux couvrent ces négociations en cours au Caire entre la délégation israélienne et puis le Hamas de l'autre côté. Avec vous, Betsa Bessalem, bonjour. Merci bonjour, de vous avoir Nathalie. Rejoint. Ce matin, les médias qui se penchent donc sur ces discussions de ces dernières 24 heures. Oui, et elles sont acerbes, selon l'Irish Independent, notamment des échanges d'autant plus difficiles que selon l'Irish, les deux camps visent les mêmes objectifs qu'ils ont échoué à atteindre avec les armes. Le quotidien irlandais garde cette ligne tout au long d'un article qui débute sur le mauvais départ qui aurait été pris par les négociateurs, tant bien israéliens que du Hamas. Alors, première démonstration que tout va mal, eh bien, ces accusations croisées, d'abord celle du Premier ministre,
ministre Netanyahou, qui accuse le Hamas de couvrir ses pertes militaires par une victoire politique. Et de l'autre côté, Zahiri, le porte-parole du Hamas, qui répond qu'ainsi le premier ministre israélien en fait nourrit les médias et tente de protéger sa popularité. Deuxième démonstration encore que tout va mal, et bien l'insistance des délégations palestiniennes quant à la levée totale et immédiate du blocus. Et pas que du blocus, la surprise, et bien selon l'Irish Independent, Israël maintiendrait aussi un siège sur la bande côtière, alors probablement un manque siège, de recul. C'est le terme qui est employé. Un siège, probablement un manque de recul, donc avec des déclarations du Hamas qui prétend qu'Israël maintient un siège depuis plusieurs années. Donc Israël, de son côté, réclame en échange du blocus la démilitarisation de la bande côtière. Et là, comme on le sait, ça bloque. Le Hamas, de son côté, refuse. Tout semble donc bloqué avec une menace qui pèse au-dessus de ce nœud dans les négociations, nous explique l'Irish Independent. Eh bien, c'est la menace, c'est celle d'une guerre d'usure dont le Hamas a parlé récemment à plusieurs reprises. Et ce nœud, Nathalie, ce blocage qu'il est si difficile apparemment de dépasser, réside bien dans la levée du blocus contre Gaza. C'est ce qu'écrit RFI, notez bien, contre Gaza et non pas sur Gaza, le site de Radio France Internationale qui explique que la proposition égyptienne en l'état ouvre la voie, selon le Hamas, à, je cite, des tergiversations qui reportent au calende grec l'exécution des engagements concernant justement la levée du blocus contre Gaza. En gros, la peur du Hamas, c'est bien que ce blocus ne soit jamais appliqué, alors ne soit jamais levé. Pourquoi ? Parce que les modalités justement de la levée du blocus doivent, selon le texte présenté par l'Égypte, être discutées ultérieurement. Mais au moins une chose est acquise, nous dit RFI, et bien c'est le retour de l'autorité palestinienne à Gaza, notamment au point de passage de Rafah, autorité palestinienne chassée, nous rappelle RFI, en 2016 par le Hamas qui s'est emparé du pouvoir par la force. Alors on le rappelle, hein, ce blocus, il est, et c'était plus ou moins les revendications du Hamas, beaucoup plus par l'Égypte, ce blocus territorial, beaucoup plus par l'Égypte, et c'est la revendication du Hamas que ce fameux passage de Rafah soit rouvert. Et on va revenir sur cette lettre d'un jeune homme palestinien. C'est Fox News qui nous raconte une lettre prétendue, insiste le site qui raconte le travail pénible dans les tunnels du Hamas. Un homme de 30 ans, un Palestinien, accepte un jour une offre de travail qu'il qualifie de mystérieuse. Il se retrouve alors dans un camion avec 5 autres personnes, sans fenêtre. Il ne sait donc pas où il va. Il se retrouve finalement dans un immeuble avec un trou qui fait quelques mètres. Et là, on lui explique qu'il faut qu'il continue à creuser un tunnel qui avait été commencé. Alors là, il raconte de longues heures de travail extrêmement pénibles, à se casser le dos, une tâche éreintante et une lettre pleine d'émotions, nous raconte Fox News. Alors, si vous n'allez pas assez vite, eh bien, les superviseurs du Hamas crient, ils vous agressent. Et cet homme précise, une fois rentré chez lui, eh bien, il ne sait pas où est-ce qu'il a construit ce tunnel. Et alors, le site de Fox News reprend une information donnée par le Times of Israel il y a quelques jours, eh bien, selon laquelle des douzaines de travailleurs de ces tunnels ont été exécutés par le Hamas. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils savaient où les entrées de ces tunnels se trouvaient et par crainte des fuites vers Israël de ces emplacements, eh bien, le Hamas a préféré exécuter ces hommes. La presse, toujours, qui s'intéresse à ce mariage dont on a parlé il y a quelques instants, ce mariage judéo-arabe qui a été célébré hier à Rishon LeZion. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a fait du bruit, ce mariage. Il a fait du bruit, donc, mariage entre Mohammed musulman et le Malka juif. C'est l'occasion pour les passions de se déchaîner dans la presse aussi. Regardez Libération qui titre « Mariage judéo-arabe à contre-temps en Israël, l'extrême droite se déchaîne contre deux fiancés ». Alors, on modère cette extrême droite puisqu'il s'agit de 200 manifestants. Donc l'association, le groupe à l'origine de ce rassemblement n'est pas d'extrême droite. 200 manifestants donc qui se sont rassemblés en criant quand même mort aux Arabes. Et c'est grâce à la police que le mariage a été plus ou moins protégé. La police qui a maintenu une distance de 200 mètres avec la cérémonie. Un événement qui ne fait qu'accroître des tensions déjà fortes, nous explique le Guardian, entre les citoyens juifs
juifs et arabes, note le quotidien britannique Le Guardian, qui explique que des tensions ont peut-être aussi été alimentées donc par la guerre, je dirais aussi peut-être par les médias, puisque Le Guardian raconte notamment que le père de la jeune mariée s'est exprimé à la télévision, qu'il a affirmé qu'il s'agissait d'un acte triste, d'un événement triste, que son problème à l'égard de son gendre est qu'il est arabe. Les médias qui ont leur rôle à jouer là encore. Et voilà, bien sûr, toujours les médias. Merci Bethsabée d'avoir été avec nous. On en reparlera sûrement dans quelques instants avec Boaz Bismuth, qui viendra faire le point également sur la situation à Ferguson, puisque vous le savez, il a suffi de deux jours seulement pour que l'ambiance redevienne électrique dans le Missouri, cette petite ville où un jeune noir du nom de Michael Brown a été abattu par la police. C'était le 9 août dernier. Et bien, cette ville vit depuis au rythme des manifestations. Regardez. Ferguson s'embrase à nouveau. Quelques centaines de personnes se sont rassemblées dans la zone où le jeune adolescent Mike Brown avait été abattu. Un rassemblement qui viole le couvre-feu décrété quelques heures plus tôt. J'ai déclaré l'état d'urgence et ordonne la mise en place d'un couvre-feu dans les zones sensibles de la ville de Ferguson. Il ne s'agit pas de faire taire la population, mais de contenir ceux qui font du tort à la démocratie. Nous ne laisserons pas une poignée de pillards mettre en danger le reste de la population. Quelques heures avant le dernier face-à-face entre police et manifestants, les autorités avaient révélé le nom de l'agent soupçonné d'avoir abattu Mike Brown. Dans le même temps, la police locale publiait une vidéo. On y distingue, selon elle, le jeune adolescent en train de voler un cigare dans un commerce de quartier. Quelques minutes plus tard, le jeune homme noir non armé était abattu par un policier blanc. Seems to us. Il me semble que soit les infractions mineures sont une activité criminelle méritant arrestation et poursuite, soit elles ne le sont pas. Mais on ne peut pas tolérer ces infractions mineures représentant un comportement criminel dans certaines communautés et les ignorer dans d'autres. Ce serait faire des différences sur des critères de race. Les conditions du meurtre demeurent floues. Selon un témoin, Mike Brown marchait dans la rue quand un policier s'en est pris à lui. Alors qu'il avait les mains en l'air, l'agent l'a abattu. Selon la police, le jeune homme de 18 ans a tenté de s'emparer de l'arme du policier. Alors que la population dénonce le caractère raciste du meurtre, les tensions communautaires se ravivent aux États-Unis. Voilà donc pour le point sur la situation dans cette petite ville de Ferguson au Missouri. Boaz Bismuth nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Boaz, merci d'être avec nous ce matin. C'est une affaire qui secoue les États-Unis et qui ravive de vieux démons. Hein. Exactement, et bien sûr, on va parler un petit peu ce matin des problèmes des autres et les autres aussi ont des problèmes. Et c'est vrai que dans cette petite ville de Ferguson, dans cette petite banlieue de Ferguson, dans le magnifique état du Missouri acheté par la France au niveau du 19e siècle, eh ben, ce que dit le gouverneur Nixon, c'est que ce que l'on voit justement démontre le malaise, pas seulement dans cet état de Missouri, mais dans toutes les États-Unis. Il faut savoir un peu que la proportion entre blancs et noirs dans cet état est à peu près comme aux États-Unis, à peu près 83%, c'est vrai, de blancs. Les noirs, 12,7%. En Amérique, c'est la moyenne à 1% en plus, donc à peu près pareil. Et puis finalement, ce que l'on voit, et tout le monde le sait, c'est pour ça aussi que le président Obama, très très vite, trois jours après, lui aussi a parlé de ce sujet, c'est justement de ce malaise entre noirs et blancs que l'Amérique... Aujourd'hui encore, bien qu'on ait un président noir, il existe toujours. Il y a eu certains événements symboliques, et notamment cette élection de Barack Obama, mais ces cristallisations des tensions, elles existent toujours sur place. Évidemment, alors c'est pour rien que l'Amérique, que Washington a envoyé 40 enquêteurs de FBI, parce qu'on veut vraiment faire le point et éclaircir tout sur ce sujet-là. Il faut savoir une chose, moi je me souviens très bien en 2008, lorsqu'il y avait les élections américaines, quelques années avant, 4 ans avant, j'étais invité dans un colloque de journalistes où on parlait du fait que l'Amérique, il y avait un grand malaise, je parle de 2004, et que c'était inconcevable qu'il y ait un président noir. En 2008, lorsque le président Obama a gagné les élections, souvenez-vous, eh bien, tout le monde pensait qu'on va tourner une page. Sauf qu'on voit que c'est beaucoup plus profond, on voit que tout ce malaise existe encore. Et certains parlaient justement des universitaires, des colloques de cette semaine, encore une fois, et pas seulement dans l'état de Missouri, mais aussi à Washington. On parlait justement du fait qu'il y avait encore un problème d'éducation, un problème de richesse, un problème de culture, un problème de toutes ces choses-là, et que justement l'Amérique devait traiter. Maintenant, concernant l'état lui-même au Missouri, est-ce qu'on veut arriver au calme ou pas? On a vu hier l'état d'urgence décrété par le gouverneur. Malgré cela, encore des centaines de personnes qui descendent dans la rue. Encore une personne qui a été tirée, cette fois-ci pas par la police, mais par d'autres manifestants.
Mais finalement, on voit encore une fois qu'à chaque fois que ça arrive, et pas seulement dans le Missouri, souvenez-vous, il y a quelques années à Los Angeles, à San Francisco, dès qu'il y a un tel événement, tout de suite, ce n'est pas un problème entre manifestants et police, mais entre communautés noires et l'État des États-Unis. C'est ça, est-ce qu'on peut craindre que ça fasse tache d'huile et que ça se répande à la totalité du pays? Alors là, il faut savoir que ça dure depuis le 9 août. Mm-hmm. Donc ça dure déjà, presque, on est presque, demain, on va être déjà au 10e jour de cet incident tragique dans lequel, rappelons-nous encore une fois, un jeune de 18 ans tiré par un policier. Hier, pour la première fois, on a évoqué justement, on a montré la photo de l'agent de police. Agent de police, malheureusement, blanc. Donc ça ne va pas arranger les choses. Cet agent de police n'est plus déjà dans la ville. Il n'est même plus dans l'État lui-même. Donc encore une fois, où ça va aller? On sait pas encore, une chose est certaine. C'est que les incidents, la frustration plutôt de la communauté noire, est loin encore de se terminer. Mm-hmm. Boaz, vous êtes rédacteur en chef du bureau international d'Israël Hayom. Comment la presse israélienne retransmet ces événements? Vous avez commencé votre édito en disant on va s'occuper un peu des autres, de ce qui se passe ailleurs. Non, alors bien sûr, comme dans la presse israélienne, vous savez, on a toujours dans les pages extérieures. Alors il faut savoir que comme dans le monde entier, les pages extérieures, c'est pas la une du journal, bien sûr. Mais je pense que ces événements, regardez, nous sommes déjà presque, comme j'ai dit, au 9e jour de ces incidents. Et ça fait la une, bien sûr, des pages étrangères. L'événement est grave. D'abord, il ne faut pas oublier une chose. On parle des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique toujours intéressent le public dans le monde entier, ça c'est clair. En plus, le sujet entre noir et blanc, bien sûr, est un sujet ô combien important. Et très franchement, pour dire la vérité, ça veut dire, c'est assez triste de voir aujourd'hui encore, et là vraiment, ce n'est pas la faute au président Obama. Au contraire, il fait tout justement pour régler tous les problèmes dans son état de santé jusqu'à relations entre communautés, de voir à quel point encore une société aux États-Unis, une partie de la société, ou la partie noire de la société, encore aujourd'hui, des siècles après, cette blessure des années de l'esclavagisme, parlant des choses comme elles sont, cette blessure profonde existe encore. Et ça continue à ce point, c'est toujours aussi profond et friable aujourd'hui. Mais on le sent. Alors il faut savoir une chose. En Amérique, la plus belle chose des États-Unis et leur plus belle réussite pour moi quand on compare à l'Europe, par exemple, c'est lorsqu'on va voir, par exemple, un match de foot en France, la troisième génération va siffler la Marseillaise. Quand vous parlez des États-Unis, par exemple, cet immigrant polonais, il va arriver, par exemple, à l'aéroport Kennedy, il n'est pas encore entré dans le taxi jaune qui va le ramener à l'hôtel, que déjà il va dire « Proud to be American ». Il y a cette fierté d'être américain. Et là, justement, on voit que les immigrants, très très vite, ils deviennent américains. Beaucoup des communautés, beaucoup d'immigrants d'Italie, ça peut être d'Espagne, de Corée, de Chine, d'Israël, d'où vous voulez. Et justement, cette même communauté noire américaine, afro-américaine, comme on dit, même la terminologie, on ne va pas dire noir, mais afro-américain, c'est inconcevable même de dire black en Amérique, sauf si on est noir, pour ne pas justement blesser. Et justement, cette communauté, et ben, encore une fois, le passé est assez grave. Vous savez, on a tendance à oublier justement ce passage. Nous parlons beaucoup, bien sûr, de notre drame, notre tragédie, bien sûr, qui était l'Holocauste. Et je vais vous raconter une histoire personnelle qui était assez intéressante. Lorsque j'étais ambassadeur en Mauritanie, j'allais souvent avec mes invités, je traversais la frontière au Sénégal, d'abord parce que c'était l'occasion d'enlever le costume et de mettre un short, mais surtout au Sénégal, d'amener mes invités à l'île de Gorée. L'île de Gorée, un des points dans lequel les Africains a été vendus et allaient comme esclaves vers ce nouveau monde qui est l'Amérique. Je sais très bien que le gardien, le monsieur qui gérait un petit peu le petit musée de Gorée, avait une petite photo de Auschwitz. Je suis parti me présenter avec un short et un t-shirt blanc, lui disant que j'étais l'ambassadeur d'Israël, et le remercier de mettre cette photo. Là, il m'a pris de côté, un vieux monsieur, il est déjà mort depuis, un vieux monsieur de 80 ans, et qui m'a dit, vous savez, monsieur, tout le monde parle justement de l'Holocauste et des Juifs, que moi aussi, je mets la photo de quelque chose de tragique, de grave, qui a duré, lui, je cite, moins de 5 ans. Chez nous, c'était 3 siècles. Mmh. Alors, 3 siècles, il faut mettre beaucoup, beaucoup de temps pour que ce sentiment à cicatriser. Mmh. Et c'est ce que les États-Unis, expérimentent les États-Unis. Quelques éléments, peut-être, pour essayer et tenter d'améliorer cette fraternité entre les différentes minorités aux États-Unis. Alors, vous savez, déjà, en Amérique, on pense que la terminologie, le vocabulaire peut faire des choses. Sauf que, laissant de côté, reprenant mes sujets dont je parle d'habitude, le terrorisme, par exemple, ou l'islamisme. Alors, vous savez, le président Obama, en 2008, lorsqu'il gagne les élections, il demande qu'on ne parle
plus d'islam radical. Il ne faut plus parler d'islam radical parce que justement c'est une terminologie qui peut blesser. Mais ce n'est pas parce que vous avez changé la terminologie que l'islam radical n'existe plus. Alors il ne faut plus parler aux États-Unis bien sûr de population noire. On parle de Afro-American, des origines. Alors est-ce que ça a réglé la chose? Bien sûr que non. Ça peut venir ou ça va venir, je veux dire encore une fois, le temps cicatrise, le temps fait les choses dans tout dans la vie. Le fait que le président Obama ait gagné, il faut donner quand même du temps parce que 2008 c'était hier à peine. Il est évident que l'élection de ce président va arranger les choses, mais une chose très très importante, très dernière, c'est que même pour les Noirs aux États-Unis ou les Afro-Americans aux États-Unis, quand vous les voyez, le président Obama pour eux est un blanc. Merci Boaz d'avoir été avec nous ce matin. On continuera à parler des États-Unis juste après un nouveau journal avec la situation en Irak. C'est dans quelques instants, à tout de suite. Plateau du Morning Light 24 News. Merci à vous de nous être fidèles avec moi sur ce plateau. Betsabé Salem, vous êtes avec nous. Jean-Marie Alafort, bonjour, journaliste, spécialiste des religions. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va parler dans quelques instants avec vous de la situation des chrétiens, notamment en Irak. Juste avant, je voudrais qu'on fasse un point sur la situation en Irak où les États-Unis poursuivent leur frappe près du barrage de Mossoul. Regardez. Les Kurdes gagnent du terrain, soutenus par des bombardements américains. Ils viennent de réussir à reprendre le plus grand barrage d'Irak au nord de Mossoul. Un barrage stratégique car il fournit de l'eau et de l'électricité à la majeure partie de la région. Il était tombé aux mains des djihadistes il y a 10 jours. Ces derniers reculent vers le sud, mais gardent le contrôle de plusieurs villages de la région. Et pour autant, la minorité yazidi est toujours menacée. Beaucoup réclament vengeance. Après avoir tout perdu, ou presque, des dizaines de yazidis se portent volontaires pour combattre auprès des Kurdes contre les djihadistes de l'État islamique. Les Peshmerag, les soldats kurdes, leur fournissent uniformes, armes et formations. Les insurgés de l'État islamique ont tué nos jeunes et pris des femmes et des adolescentes. Ils nous ont poussés à fuir et c'est pourquoi nous sommes ici. J'ai appelé les jeunes hommes yazidis à se porter volontaires pour venger notre peuple. Ils ont répondu nombreux. Entre hier et aujourd'hui, nous avons enregistré une cinquantaine de volontaires. Des centaines de yazidis ont été tués et d'autres, notamment des femmes, ont été enlevées pour être vendues. Ils se battent aujourd'hui pour leur survie. Voilà pour la situation sur place. Alors en quelques jours, Jean-Marie, deux hauts responsables de l'Église catholique ont demandé explicitement à la communauté internationale d'intervenir militairement. Ce n'est pas le pape lui-même qui l'a demandé, mais ce sont des émissaires, on va dire. Et puis il y a eu un relais de poids également, c'est Bruno Cadoré, le supérieur général mondial des Dominicains, qui appelle l'ONU à agir militairement sur le terrain. Alors ça, effectivement, c'est une nouveauté. Il faut bien voir que pour l'Église catholique particulièrement, la communauté irakienne, la communauté, c'est une des premières communautés chrétiennes. Hein, on est ici en présence, finalement, c'est pas simplement une histoire de minorité au sein donc d'un pays qui est finalement très divers au niveau de ses communautés religieuses. On a ici une communauté qui est finalement peut-être même la première communauté chrétienne de l'histoire. Les Chaldéens, qui parlent araméen, dont la langue est presque celle du Christ, hein, est la première communauté chrétienne de l'histoire. Donc il y a quelque chose ici qui est... Symboliquement, c'est très très chargé. C'est-à-dire toucher à la communauté chrétienne d'Irak, toucher particulièrement aux Chaldéens, ça veut dire donc toucher à la première communauté, à la communauté chrétienne primitive. Et là, il y a quelque chose, évidemment, pour l'Église qui est absolument intolérable. D'où cet appel. Oui, inédit et non. C'est-à-dire, ici, il y a aussi une volonté de vouloir dire, bon, maintenant, il faut agir. Hein, on a regardé. C'est-à-dire, la voie diplomatique n'a pas fonctionné. La voie diplomatique n'a pas fonctionné. Il reste la voie des armes uniquement. Et maintenant, il faut vraiment agir de façon militaire parce qu'on voit qu'il n'y a plus de possibilités autres. Hein, il faut bien voir que la communauté chrétienne en fait en Irak est une communauté chrétienne extrêmement diverse. Il y a 12 communautés chrétiennes différentes. Les Chaldéens sont majoritaires, mais c'est une communauté qui souffre depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire on a une destruction, je dirais, progressive de cette communauté, un départ, un exil de cette communauté, donc des différentes. Ils étaient dans les montagnes au départ, ils sont installés dans les villes. Ils ont choisi le mauvais camp politique avec donc Saddam Hussein. C'est quand même, ils payent aujourd'hui les conséquences aussi d'un choix politique qu'ils ont fait. Et puis une disparition, un exil qui est de plus en plus important de cette communauté vers l'extérieur. Et là, la communauté chrétienne, et particulièrement donc le Vatican, s'inquiète en disant « Mais si cette communauté disparaît,
tous les chrétiens du Moyen-Orient sont en danger. C'est le début de la fin. C'est le début de la fin. C'est ça plus ou moins qu'on veut dire, parce que c'est ça qu'il faut rappeler, que vous venez de dire, c'est que ce récent développement avec l'État islamique, il a aggravé la situation des chrétiens au Moyen-Orient. On en reparlera d'ici quelques instants, mais en Irak plus précisément. Mais leur situation, elle n'était pas forcément très bonne. Leur situation n'était pas très bonne déjà depuis un siècle, en fait. Mm-hmm. On voit que c'est une communauté donc qui a connu un développement, donc au 19e siècle, au début du 20e siècle, et puis après qui a fait des choix politiques, comme je l'ai dit, qui n'a pas toujours été très heureux. Et c'est une communauté donc qui finalement a été persécutée de façon lascive, hein, de façon plus ou moins larvée, mais qui a été persécutée donc par les... Avec des conversions forcées, avec des mariages forcés également. Assez peu de conversions du côté chrétien. Les chrétiens ne se convertissent pas facilement à l'islam, mmh. surtout ces communautés chrétiennes qui, encore une fois, sont des communautés chrétiennes qui ont une identité très très forte, une histoire extrêmement forte. Ils ont conscience qu'ils portent ici une tradition qui les dépasse eux-mêmes. Hein, donc on a assez peu de conversions dans les communautés chrétiennes, en tout cas dans les communautés chaldéennes. Dans les communautés protestantes non plus d'ailleurs, ainsi que dans les communautés orthodoxes. Mais c'est une communauté qui a été, si on prend par exemple la communauté qu'on dit orthodoxe, le mot n'est pas tout à fait juste, mais c'est pas grave, c'est une communauté qui a été véritablement décimée. Mmh. Et qui existe aujourd'hui aux États-Unis, par exemple, une grosse communauté aux États-Unis. Qu'est-ce que l'Église, justement, fait, le Vatican, de sa lointaine distance, pour éventuellement protéger ces communautés sur place? Alors écoutez, l'Église essaye de faire ce qu'elle peut au niveau, encore une fois, diplomatique, c'est-à-dire d'essayer d'agir donc sur les dirigeants à travers la voie diplomatique. On voit que ça n'a pas marché, et on voit très bien qu'avec le califat qui s'est instauré dans cette région du monde, il est impossible d'entreprendre le moindre dialogue. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a un appel aux armes aujourd'hui. Hein, on ne peut pas entreprendre un dialogue avec ces djihadistes. Il n'y a aucun dialogue possible. On voit très bien comment ça fonctionne. Donc ici, malheureusement, il faut donc intervenir de façon militaire. Jean-Marie, vous qui êtes et journaliste et spécialiste des religions, vous voyez l'évolution du monde. Et on disait que ce 21e siècle, il serait le siècle spirituel, le siècle des religions. On a l'impression que c'est aussi le siècle de la terreur. Pourquoi on n'emploie plus ce mot de guerre de religion? Alors on n'emploie plus ce mot peut-être parce que c'est un mot qui fait peur. Mais on est tout à fait dans une guerre, mais on est tout à fait dans la guerre de religion. Et je pense que quand Malraux avait dit donc le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas religieux ou ne sera pas, je pense qu'il n'imaginait pas un seul instant qu'on serait devant une telle configuration. C'est-à-dire qu'on aurait finalement une sorte de retour du Moyen-Âge. On est finalement dans une période de croisade. On revient finalement à des images, les images qu'on voit d'Irak, hein, ces massacres absolument épouvantables, nous rappellent malheureusement ce qu'on a vu dans la vallée du Rhin au moment des croisades. Où les croisés sont finalement maintenant déguisés sous un habit de l'islam, et pour la reconquête et la reformation. Et avec un fantasme religieux, c'est-à-dire on est ici, il faut bien comprendre que le monde occidental a du mal à comprendre, hein, on est ici dans une vision théologique. Nous parlons, nous, sur le plan politique. Hein, nous avons toujours des solutions qui sont des solutions économiques et politiques. Nous avons affaire ici à une vision qui est une vision théologique. Le monde doit être sous la domination de l'islam, doit être sous le règne de la loi islamique. Et c'est un rêve qui est porté par une partie de la nation musulmane, Alors évidemment, la plupart des musulmans n'ont aucune envie de se trouver sous le règne du califat, c'est évident, sous ce règne de terreur. Et en même temps, on voit bien qu'il y a une certaine une séduction, c'est-à-dire, et pourquoi pas? Et si on rétablissait finalement ce grand royaume musulman qui a eu lieu au 7e, 8e siècle, qui d'ailleurs est un fantasme du point de vue historique parce qu'il n'a jamais existé. Mm-hmm. Mais ça fonctionne comme ça, la religion, hein, cette forme de religiosité. Donc on est ici dans une perspective fantastique, extraordinaire du point de vue religieux, où il faut rétablir ici l'ordre de Dieu. Et face à l'ordre de Dieu, il n'y a aucun mot humain. Coûte que coûte avec ces exactions. Hein, peu importe les moyens qu'on va employer, puisque de toute façon, c'est au nom de Dieu. Au nom de Dieu, on peut tout faire. Merci Jean-Marie pour ces explications. Vous restez avec nous. On va parler et se pencher sur un autre ravage très différent, celui-ci, celui du virus Ebola. C'est avec vous, Betsabé. Alors, notez qu'au Libéria, c'est l'un des trois pays les plus touchés par Ebola. Une attaque spectaculaire s'est produite hier. Des hommes armés s'en sont pris à un centre de soins temporaires qui accueillait des malades du virus. Résultat, 17 personnes se sont échappées, ont fui dans la panique. Seuls 10, je crois, ont été retrouvés.
Les autres sont toujours en fuite. On parle avec vous, Betsabé, de l'ampleur de ce virus. Alors, vous l'avez dit, hein, ce sont quelques pays d'Afrique de l'Ouest qui sont touchés. Vous allez voir tout de suite une carte. Vous avez la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, et plus récemment le Nigeria, avec ces bilans qui se sont affichés: 380 morts en Guinée, 413 au Libéria, en Sierra Leone, 340. 48, presque autant qu'en Guinée, et 4 morts au Nigeria. La Guinée, c'est là où le premier cas de l'épidémie actuelle s'est déclaré. C'était un enfant de 2 ans, donc la première personne qui a été infectée. Ça a des allures d'été un peu meurtrier hein, dans le monde. Alors c'est un virus qui n'est pas nouveau, il est apparu dans les années 70. Comment se fait-il qu'il soit réapparu, et de cette façon en tout cas, dans cette forme-là? Alors déjà, on fait le point, plus de 1000 victimes, hein, ça fait déjà plus de 2000 personnes infectées, avec donc un taux de mortalité de 50%, qui varie en fait de 25 à 90% en fonction des zones. Un bilan qui montre, vous parliez des autres épidémie, eh bien que cette épidémie-là est bien plus grave que les autres, puisqu'en comparaison, eh bien, en 40 ans de virus Ebola qui vient et qui repart, eh bien, on avait 1600 morts. Alors, les épidémies mortelles reviennent régulièrement, on l'a dit. Elles sont apparues aussi en Afrique centrale. C'est là que le virus Ebola est apparu pour la toute première fois, en 1976, justement dans un village du Zaïre, de la République démocratique du Congo, un petit village qui se trouvait près du fleuve Ebola, d'où son nom. Et depuis, plus d'une vingtaine d'épidémies ont frappé, et pour l'instant, cette fois-ci, il est beaucoup plus ancré dans la population. La propagation est d'autant plus facile que les infrastructures sanitaires manquent dans les coins reculés d'Afrique, et puis quelquefois même les centres, comme vous l'avez dit, sont pillés. C'est ce qui est arrivé d'hier dans la banlieue de Monrovia. Mm-hmm. Alors comment il se transmet, ce virus? Alors, il faut comprendre déjà que le virus Ebola ne touche pas que les hommes, il touche d'autres mammifères. En fait, c'est un virus qui est animal, transmissible à l'homme. En général, comment ça se passe? Eh bien, le virus, en général, est transmis de la chauve-souris, qui est le porteur principal, à d'autres mammifères, comme les singes, et qui ensuite contaminent l'homme. Mais dans ce cas, le patient zéro a probablement été contaminé directement par une chauve-souris lors de manipulation, par exemple, de viande de chauve-souris, ou alors lors de manipulation d'un animal mort. Ensuite, la transmission, vous allez le voir tout de suite, il faut comprendre qu'on peut être contaminé par, si vous avez une plaie, ou par les muqueuses, par, vous voyez, une liste de liquides corporels. Mais on le note bien, par exemple, on ne peut pas être contaminé dans un avion. Il y a en revanche beaucoup de risques en Afrique lors des rites funéraires, où on lave en famille les corps des défunts. On parle, pour finir, de la période d'incubation, elle est de 8 jours en moyenne, elle aussi en fait de 2 à 21 jours. Les premiers symptômes, vous avez de la fièvre, des maux de tête, irritation de la gorge, première sensation de faiblesse générale, et c'est à l'apparition des premiers symptômes que le malade devient automatiquement contagieux, puis viennent ensuite les vomissements, etc. Merci. Et des insuffisances rénales et hépatiques, voire des hémorragies internes et externes. Merci Betsabé, on va en parler à présent avec un spécialiste, Sylvain Blaise est avec nous par téléphone. Bonjour, merci d'avoir accepté ce matin de répondre à nos questions. Vous êtes directeur du Centre National de Référence sur les fièvres hémorragiques virale à l'Institut Pasteur de Lyon. Et une question ce matin: pourquoi cette épidémie, elle se révèle être plus féroce que d'autres? Alors en fait, elle se révèle plus féroce parce qu'on n'a pas réussi à l'endiguer très rapidement après son apparition. En fait, tout le secret finalement du contrôle des épidémies de ce type, c'est de les prendre très tôt et de tout de suite les circonscrire. Donc ça n'a pas été possible en Guinée, puisqu'en fait on a diagnostiqué l'infection plus de deux mois après le cas index, donc le fameux bébé dont vous parliez. Et donc, au moment où on a su à quel virus on avait affaire, l'épidémie était déjà très, 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 très engagée. Il y avait beaucoup de cas bien disséminés dans la Guinée. Il y en avait même déjà à Conakry. Donc, en fait, c'était déjà très difficile de la contrôler. Puis, il faut dire aussi que la Guinée n'avait jamais été touchée par ce virus. Donc, les gens ne connaissaient pas ce virus, ne connaissaient pas son mode de transmission. Les autorités sanitaires, évidemment, ont été assez désemparées au début, mais ont essayé rapidement de faire face. D'ailleurs, fin avril, début mai, on a failli arriver à bout de cette épidémie. Et puis malheureusement, quelques cas qui ont échappé à la vigilance du système de contrôle ont fait que l'épidémie est repartie pour cette deuxième vague très, très agressive qu'on,
tel qu'on la voit aujourd'hui. Mmh. Sylvain Baize, on a parlé il y a quelques semaines maintenant d'un cas éventuellement à New York. Est-ce que ça risque de s'étendre et de se transmettre également à l'Europe et au continent américain ? Non, non, là, il faut rester très, très, très prudent. En fait, l'épidémie peut encore s'étendre aux pays limitrophes des pays actuellement touchés. C'est là où il faut vraiment être très vigilant, sur les frontières terrestres notamment. En revanche, pour les pays plus lointains, tels que les États-Unis ou l'Europe, on peut craindre un cas d'importation, quelqu'un qui prendrait l'avion et qui viendrait en phase d'incubation et développerait la maladie sur d'autres territoires. En revanche, on est moins inquiet quant aux transmissions secondaires sur ces territoires, puisque, évidemment, tout est mis en œuvre pour identifier rapidement ces cas et les isoler et empêcher que les épidémies surviennent dans les pays très lointains de ceux touchés premièrement par le virus. Merci beaucoup, Sylvain Baize, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle donc que vous êtes directeur du Centre national de référence sur les fièvres hémorragiques virales à l'Institut Pasteur de Lyon. Voilà donc pour le point sur ce virus. Jean-Marie Lafont, vous revenez de France. Est-ce que ça vous inquiète, cette étendue et cette transmission du virus? Non, pas trop, à vrai dire, pas du tout. Pas trop, ben voilà. On est moins alarmiste que d'habitude alors à la télé ce matin. Voilà donc pour l'essentiel. On va continuer juste interrompre notre émission pour un tout nouveau journal. Juste ensuite, on se retrouve pour parler d'Internet, le web et cette nouvelle acquisition de Yahoo. Vous allez le voir, Yahoo qui a racheté une société, une start-up israélienne. C'est à suivre dans le monde. Retour sur le plateau du Morning Day 24 News. Merci à vous de nous être toujours fidèles le matin sur notre antenne. On va parler du web dans cette partie que l'on va largement consacrer à ce qui se passe sur la toile et sur Internet. Donc, mais jusqu'à quel point les investisseurs également observent-ils l'évolution des différents développements géopolitiques à travers le monde? C'est une question qui se pose en économie et dans le monde des finances. Après l'Ukraine, l'Irak, la Syrie, la Libye et puis plus récemment Israël, eh bien on va faire le panorama des conséquences financières et économiques de ces différentes instabilités. On en parle juste après. Crispation sur les marchés financiers européens. L'Eurostox, qui regroupe les principales valeurs de la zone euro, a chuté de 9,5% en deux mois. Principale raison, les mauvaises nouvelles sur les fronts géopolitiques. Eh bien, tous les problèmes d'hier sont encore ceux d'aujourd'hui et malheureusement, presque tous les jours, quelque chose de nouveau vient s'ajouter. Nous avons des conflits en cours en Israël, à Gaza, en Ukraine, en Irak et en Libye. Puis de nouvelles inquiétantes, telles que les faillites bancaires du Portugal ou les sanctions contre la Russie. Ces nouvelles sont constamment rapportées dans les médias, ainsi que les contre-sanctions par le président russe Vladimir Poutine. Dans un tel environnement, on ne peut pas s'attendre à un quelconque progrès. L'escalade des sanctions économiques entre les États-Unis et la Russie a fait monter d'un cran les inquiétudes des investisseurs, déjà minés par les crises dans le Proche-Orient. De probables répercussions sur le climat des affaires sont attendues, touchant à terme la croissance. L'Allemagne, grand exportateur vers la Russie, est la plus touchée. Les commandes à l'industrie ont baissé en juillet de 3,2% sur un an. Le DAX, l'indice boursier allemand, a perdu 1000 points en un mois. En général, les sanctions contre la Russie sont très nocives pour l'Allemagne. Elles ont des conséquences sur les bénéfices et la situation de l'emploi. Ces sanctions contre la Russie décidées par le monde et l'Europe sont particulièrement difficiles pour l'économie allemande. L'Allemagne, qui porte à bout de bras une Europe malade, est à l'arrêt. Le PIB allemand se serait contracté de 0,1% au deuxième trimestre, pour la première fois depuis 2012. Les dettes des pays du sud de la zone euro, jugées plus fragiles, pourraient aussi faire les frais de la prudence des investisseurs et fragiliser toujours plus une reprise de la croissance européenne. Pour l'heure, l'Italie est en récession, la France à l'arrêt. Seule la Grande-Bretagne tire son épingle du jeu, avec une croissance de 0,8% au deuxième trimestre.
Alors, on va voir comment ça se traduit sur le web. Et on va d'abord parler de Yahoo, qui a confirmé le rachat de la start-up israélienne Clarity Ray. Clarity Ray, c'est cette start-up qui a mis au point un software unique permettant de contourner les systèmes automatiques de blocage de publicité. Il s'agit de la deuxième firme israélienne qui a été rachetée par le moteur de recherche au cours des deux derniers mois seulement. On va en reparler avec Franck Alloun. Vous êtes directeur de l'agence 2BWeb, agence internet de développement. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Alors, une réaction peut-être à cette information, ce deuxième rachat d'une start-up israélienne en deux mois. Oui, bonjour. Mais écoutez, effectivement, on voit que Yahoo essaye de s'imposer sur le contenu audiovisuel et commence à manger des parts de marché à ce niveau-là. Et effectivement, elle s'est localisée aujourd'hui en Israël avec ce rachat, comme vous dites, en un mois de deux sociétés israéliennes qui ont été confirmées. Franck Alloun, on parle souvent d'Israël comme the startup nation, la nation de la startup. Comment ce savoir-faire de la high-tech israélienne, il peut se maintenir à un tel niveau, un niveau d'excellence au fil des années? Écoutez, non seulement elle se maintient, mais en plus elle évolue positivement. Aujourd'hui, les forces de présence en Israël, Yahoo, Google, Apple et même la NASA viennent chercher des technologies qui sont combinées aussi bien au niveau des technologies militaires, high-tech, biotechnologie. Aujourd'hui, donc, on voit effectivement que les sociétés israéliennes sont très prisées dans la Silicon Valley, et d'où le terme Silicon Wadi aussi qui a été utilisé pour toute cette zone israélienne qui génère autant de matières grises. Alors vous qui êtes sur Internet, Franck, et qui avez l'œil aiguisé à ce sujet, comment ce secteur il a évolué, ou en tout cas comment vous avez senti qu'il a évolué au cours de cette opération israélienne bordure protectrice? Bien, écoutez, Internet est aujourd'hui le vecteur principal de l'utilisation de communication qui a été utilisée pendant toute cette guerre d'opérations militaires israéliennes. Elle ne cesse de prendre donc une place importante dans la vie quotidienne, aussi bien au niveau des smartphones que des tablettes, donc de toute la partie mobile. C'est aujourd'hui véritablement Israël donne des solutions, apporte des solutions technologiques dans ces domaines-là. On fait partie des sociétés qui développent donc ces solutions. Et effectivement, l'opération militaire israélienne est une preuve, comme I-24 d'ailleurs est un vecteur aujourd'hui de communication très important auprès du public. Véritablement, on sait que la mobilité des solutions high-tech développés en Israël sont de plus en plus prisés. Merci beaucoup Franck Alloun de cette analyse et puis de ce témoignage ce matin sur notre antenne. Je rappelle que vous êtes directeur de l'agence 2BWeb, agence internet de développement. Allez, on va tout de suite faire un rapide rappel des titres de l'actualité de ce matin. Le glas du cessez-le-feu sonne bientôt et avec les rumeurs des négociations qui piétinent, le ministère de la Défense israélien a ordonné la suspension des trains en direction de Sderot. La raison, la reprise des tirs depuis la bande de Gaza pourrait viser le réseau ferré israélien avec des missiles anti-tanks. Côté Hamas, on remet déjà la faute sur Netanyahou. C'est Israël qui a refusé l'offre égyptienne. Le cessez-le-feu ne sera pas renouvelé. Mahmoud Abbas qui est attendu vendredi au Caire pour tenter de sauver le processus de négociation. Nouvelle nuit de couvre-feu à Ferguson aux États-Unis après la mort de Michael Brown, 18 ans, le 9 août dernier. Les événements de Ferguson, une ville à majorité noire dont la police et ses dirigeants sont blancs pour la plupart, ravivent depuis une semaine le spectre du racisme aux États-Unis. Et puis en Irak, les États-Unis poursuivent leur frappe près du barrage de Mossoul. Des actions qui visent à soutenir les efforts humanitaires, protéger les infrastructures importantes, le personnel et les installations des États-Unis en Irak, ainsi qu'à venir en aide aux forces de sécurité irakiennes et aux forces de défense kurdes. Voilà donc pour
pour l'essentiel des titres ce matin. Avec nous sur ce plateau, Rudy Saada, bonjour. Bonjour, Rudy, Nathalie. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Alors, on va commencer avec un élan de solidarité un peu particulier, puisqu'il s'agit des habitants de Gaza avec les habitants de Ferguson au Missouri. Absolument, c'est le genre de choses que le net permet aujourd'hui. On assiste depuis ce week-end à des échanges entre les jeunes Gazaouis et les jeunes qui participent aux protestations du côté de Ferguson. Les jeunes palestiniens y voient en effet une vraie analogie entre ces révoltes et un véritable intifada, ce qui veut donc dire soulèvement. Alors il y a d'abord de la solidarité à proprement dit. Alors voici quelques tweets relevés par le site du Télégraphe. Inas parle de révolution de Ferguson. Elle dit: on ne peut pas être plus fier de ces gens qui ne laisseront pas leur sang couler pour rien. On va voir dans un instant le tweet. Alors, message de solidarité, voilà, on le voit. Donc elle parle réellement de révolution, donc avec le hashtag Ferguson et donc Mike Brown, le nom de ce jeune qui a été, tué. Message de solidarité ou récupération, à vous de juger. Certains publient des messages en photo. Le peuple palestinien sait ce que c'est qu'être visé à cause de votre appartenance ethnique. Alors on voit sur certaines vidéos publiées sur Instagram que certains manifestants ont scandé lors des manifestations « Bande de Gaza », donc par réponse à cet élan de solidarité. Il y a certaines récupérations aussi. Solidarité ou récupération, à vous de juger. Mm-hmm. Au-delà de ce soutien, il y a aussi, et on va le voir, des conseils que donnent les Gazaouis aux manifestants américains. Ça va au-delà du simple soutien. Oui, c'est bien là la nouveauté. Alors par exemple, regardez ce tweet de Raja Abu Khalil qui conseille aux manifestants de se tenir proches des policiers, assez proches pour les empêcher de projeter du gaz, avec cette formule utilisée pour Ferguson de Palestine. Et Mariam, par exemple, aussi un conseil: de courir contre le vent et de garder son calme en cas de jet de gaz lacrymogène. Si les yeux piquent, ne pas les toucher, la douleur va passer. Donc voilà, la situation toujours aussi tendue sur place, et avec cette communication donc entre Gaza et Ferguson totalement inattendue. Et on reparle aussi de tensions, puisqu'il y en avait hier en Israël, près de Rishon LeZion, où il y avait ce mariage entre une jeune juive convertie et un jeune musulman. On en a parlé aussi sur la toile. Il y a eu des réactions sur la toile par rapport à ce mariage un peu qui vient bouleverser les consciences en ces temps de guerre. C'est une polémique qui s'est fait entièrement sur Internet. C'est-à-dire qu'elle est partie d'une photo publiée sur Facebook. L'association Leava a fait un appel sur Facebook à manifester. Donc tout s'est fait sur Facebook. Même le président israélien, Reuven Rivlin, s'est exprimé. Il a posté sur Facebook. Un appel à la... Donc finalement, c'était finalement 100% Internet. Alors il y avait deux couches en fait. Sur le débat interne en Israël, énormément d'invectives en hébreu, d'un côté comme de l'autre. Un débat qui a été très vif. Et puis à l'extérieur d'Israël, il y avait aussi une récupération de cet événement pour discréditer encore plus l'État d'Israël et en parler comme un État plutôt raciste, sans préciser forcément que c'était une vraie petite minorité de personnes qui sont allées manifester hier. Mais sur le plan international, effectivement, ça a beaucoup été relayé et retweeté, et les pro-israéliens, eux aussi, ont voulu tout de suite se désolidariser de ce mouvement de Leava. Voilà, on en arrête l'analogie justement entre ce qui se passe à Ferguson et puis ce qui se passe en Israël, ou en tout cas ce qui s'est passé à Rishon LeZion hier. Alors que l'opération Bordure Protectrice semble se terminer, ou en tout cas on dit tout ça avec beaucoup de précautions, et bien la communication israélienne, elle lance un nouveau site. Oui, alors c'est une sorte de site best-of, si je puisse m'exprimer ainsi, qui est apparu ce week-end. Il est lancé en français par la communication de l'armée israélienne. Alors entièrement consacré à l'opération Bordure Protectrice, il regroupe toutes les publications YouTube, Twitter, Facebook, infographies publiées en plus de 40 jours de conflit. Alors il y a deux choses à remarquer. La première, c'est la liste des rubriques qu'on va voir, on s'y est intéressé, donc des thématiques. On y retrouve tous les arguments de Tsahal. En priorité, en haut, la menace des tunnels, puis la menace des roquettes, les boucliers humains, les armes du Hamas, le terrorisme présent dans Gaza, etc. Il s'agit d'un véritable, finalement, kit de communication, et cela d'ailleurs est clairement dit, est clairement assumé. Il y a écrit partagé. Regardons par exemple cette rubrique consacrée à Sadjaya. Elle est subdivisée en quatre partie vidéo, infographie, tweet et articles de presse. Et donc la deuxième chose qu'il faut remarquer sur ce site, il faut le dire, sa piètre qualité graphique. Alors que Tsahal avait habitué les internautes à un graphisme très soigné, très
triché par le passé. Le site n'est pas du tout de la même qualité. Alors voilà, soit c'est une initiative considérée comme un petit bonus, une sorte de best-of, hein, comme je vous le disais, soit cela répond à une urgence de communication devant notamment l'ampleur que prend le mouvement anti-Tsahal dans l'opinion publique internationale. Donc affaire à suivre sur ce site qui est apparu comme ça ce week-end. Communication, et en tout cas on revient sur cette définition dont la frontière est très mince entre communication et propagande toujours. Alors certains diront effectivement que c'est de la propagande, et c'est effectivement, on peut dire que c'est un kit de propagande pour pouvoir convaincre sur Internet. On sait que les Israéliens sont partis très en retard dans ce domaine, ont tenté lors des derniers épisodes, des conflits, de rattraper leur retard, mais il y a toujours quand même une difficulté sur Internet à communiquer. Donc tous ces éléments ce sont des éléments de preuve, ce sont des vidéos, ce sont des faits, et l'armée israélienne invite les internautes à les republier le plus possible. Est-ce qu'il y a des réactions des internautes concernant justement cette communication de l'armée israélienne et cette communication au cours de bordures protectrices pour dire que oui, l'armée a bien communiqué, a bien informé, ou pas assez, ou est-ce qu'il y a des revendications de la part des internautes? Alors, de la part des internautes, c'est très simple, c'est-à-dire que ça arrive à convaincre uniquement les convaincus. Mmh. Ce sont des deux côtés, c'est-à-dire que la communication aussi du Hamas, la communication de Tsahal, des deux côtés, ne sont retweetées et ne sont publiées sur Facebook que par des gens qui sont convaincus et qui se confortent dans l'idée qu'ils ont déjà. La grande majorité des personnes renvoient les deux parties dos à dos, c'est ce qu'on a vu dans ce conflit, c'est-à-dire que les gens finalement ferment pas leurs yeux, mais laissent les deux parties dos à dos réellement et mm-hmm. ne veulent donc pas... Donc un certain échec, un sentiment d'échec pour en tout cas essayer d'expliquer la situation. Il y a eu quand même ce qui a été intéressant pendant ces 40 jours, c'est la symétrie, c'est-à-dire que les communications se sont adaptées l'une à l'autre mm-hmm. et ont constamment changé. Peut-être que cette dernière initiative, c'est aussi un signe de panique, signe qu'on est finalement dépassé par la communication du Hamas. Allez, on va terminer avec un jeu qui fait le tour du monde et notamment le tour des grands de ce monde, ça s'appelle le Ice Bucket Challenge. Oui, alors le principe est très simple, hein. Il s'agit de se jeter un seau d'eau glacée sur la tête, comme vous le voyez, en solidarité pour ceux qui luttent contre la maladie de Charcot, qui est une maladie neurodégénérative très grave et mystérieuse. Alors tout a commencé avec Peter Fretz, c'est un ancien joueur de baseball de Boston, il a été atteint par cette maladie et il a lancé donc ce défi. C'est simple, soit vous vous mettez ce seau d'eau glacée sur la tête, soit vous donnez de l'argent à une association qui s'occupe de ça. Alors, tout au lieu de s'émir, on regarde là, il y a Mickey Rourke pour l'instant. Et donc, sur Internet, le jeu est à la nomination. Vous savez, vous faites quelque chose et vous nominez trois personnes. Eh bien, tous les PDG américains s'y sont mis. On va voir le PDG, Satya Nadella, c'est le PDG de Microsoft. Le défi a été lancé par un joueur de football américain. Et on le voit jouer le jeu. Mark Zuckerberg aussi, juste derrière sur Facebook, l'a fait. Et je vous donne ce petit... Il est glacé. Mais c'est dommage parce qu'il est juste temps de refermer l'antenne. C'est à vous. Merci beaucoup. C'est à vous, je vous le donne. Vous merci en faites d'avoir ce que vous été voulez. Avec nous ce matin à suivre un tout nouveau journal de la rédaction. Vous en sortez.